Hey, salut tout le monde, c'est Snowkill. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny pour commencer la série. Je teste toutes les armes exotiques. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour tester le Galarwon, la meilleure arme exotique et surtout la plus belle. Donc, là, vous la voyez actuellement à l'écran. Vous voyez quand même qu'elle est en rejet de sérieux. Bon, je vous dis, j'ai jamais eu la chance de la looter. Et puis, dès que je suis sur la Vendée, bah, j'étais pas là, j'étais parti en vacances quoi. Et comme par hasard, il a plus jamais vendu. Voilà, je dis ça, je dis rien. Bon, je l'ai seulement eu en achetant les armes de cycle d'année 1. En gros, j'ai dépensé 200 pièces franges. Bon, voilà. Donc, voilà, on est ici pour tester le Galarwon. Donc, voilà cette arme qui est magnifique. Donc, allez, vous voyez, un guidage, cette arme, voilà, je vais tirer à côté, comme ça, le mec il bouge, boum, dans sa gueule. Bon voilà, et comme là vous avez pu le voir à l'écran, elle a aussi des sous-munitions super cheatées. Regardez, attends, je vais tirer à côté comme ça. Et on a des sous-munitions qui l'attaquent. Bon voilà, les sous-munitions, il y en a 2 sur 10 qui l'ont attaqué. Puis regardez sa vie. Quand même, hein, il faut le faire. Bon voilà, je vais tirer normalement 8 munitions. Parce que là j'en ai eu 3 plus une cartouche. Bon voilà. Donc voilà, on va la tester sur les gros groupes, sur les groupes d'ennemis, etc. Donc allez, on va se diriger. Allez, c'est parti. Oh là là, j'adore ce vaisseau. J'ai l'impression qu'il est plus rapide que les autres. C'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué à Destiny. Bon, peut-être que c'est ça aussi. Oh là là, allez, vas-y. Le jeu quand même est super classe. Hein. Allez. Voilà. Je suis là. C'est parti. Oh là putain, attends. Hop voilà. Donc est-ce que là il y a des ennemis parce que j'ai pas fait tout ça pour rien. Alors où ils sont? Là, ici, boum, la double. Regardez quand même, c'est super cheaté. Le Galarwon est l'arme la plus cheatée du monde. Sur les boss, tout ça, c'était l'arme la plus utilisée. De toute arme confondue, hein, que ce soit arme fusil automatique et autres, c'était l'arme la plus utilisée. Et regardez un peu son chargement qui est super rapide. Hop, c'est bon, je me trompe pas le chemin parce que ouais, c'est un peu labyrinthe. Hop, je me dirige. Ok, petit bloc, c'est pas très grave. Hop, tu dégages. Toi aussi. Putain, je vais seulement balancer ça. Allez, c'est parti. Alors, regardez. Je tire dans le vent. Regardez les les chiffres qui sont apparus, c'est les dégâts. Mais c'est super abusé quand même en fait. Hein. Avant je l'avais, j'étais content, je me suis dit ouais elle va plus jamais me servir, mais si en fait, elle sert, mais encore grave sérieux. C'est l'arme la plus utilisée, c'était l'arme la plus utilisée de Destiny. Hein. Là ça peut se comprendre. Hein. Sérieux. Bon allez, il nous reste une balle et puis j'ai terminé la vidéo. Puis n'hésitez pas à me dire si cette série vous plaît, si je vais continuer. Et puis il me manque les 2 épées et puis encore plusieurs armes. Je crois qu'il m'en manque après les 2 épées et 4. Donc ouais, c'était bien 6 qui m'a manqué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Et de vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Allez, salut tout le monde, c'était Snowkill.